إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب معاذ أو يمشي أمامه فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد Il l'a répété trois fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Mu'ad, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce qu'il a créé, ala ibadih. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Dieu seul et son prophète savent. Qala haqqullahi 'ala al-'ibad ya Mu'ad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sur nous, c'est qu'on doit l'adorer et on doit lui associer personne, rien lui associer. Ma ma'na ibadatullahi ayyuha al-ikhwa. Que veut dire an na'budallaha haqqa al-ibada? Qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme lui il veut. An tuqima hayatak, an tuqima hayatak ala minhajillah. C'est que tu vis, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pour que tu vives selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en place comme méthode, comme principe de vie. Qala tadri ma haqq al-ibad ala Allah. Et quel est notre droit sur Allah? Regardez, min karamillahi wa rahmatih. Min karamillahi wa rahmatih. Dans sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un droit sur lui. Alla yu'adhibahum wa yudkhilahum al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais ce qu'il te dit, nul châtiment ne te touchera. Nul châtiment ne te touchera. Et en plus, il te donnera un paradis éternel. Un paradis où tu seras éternellement jeune. Un paradis où tu ne sauras pas ce que c'est la maladie. Un paradis où tu ne sauras pas ce que c'est l'avarie, ce que c'est l'envie, ce que c'est la jalousie. Tout ça, tu ne le sauras pas. Un paradis éternel. Allah subhanahu wa ta'ala te fait rentrer un paradis éternel. Wa nahnu ka muslimin ayyuha al-ikhwa nu'minu bil ghaib. Nous croyons en ça. Man minna ayyuha al-ikhwa, qui d'entre nous voudrait être châtié, voudrait subir les affres de la vie comme on le subit aujourd'hui? Man minna, personne ne voudrait subir les affres de problèmes que nous subissons aujourd'hui. Mais al-ulama, Allah subhanahu wa ta'ala yusibuna bi masa'ib. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous toucher par des épreuves. Et les épreuves, qassamaha al-ulama. Il y a 5 catégories d'épreuves. Quand il y a un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ou une épreuve d'Allah, d'abord, il y a une différence entre al-ibtila'u ou al-bala. Il y a une différence entre al-ibtila'u ou al-bala. Ma ma'na al-ibtila'u, ma huwa al-ibtila'u, wa mata yakunu, ma asabaka ibtila'u min Allah. ومتى يكون بلاء من الله لما يبتليك الله فتقترب منه فاعلم بأنه ابتلاء أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقربك منه. Quand tu es touché par une épreuve et cette épreuve te rapproche d'Allah, sache qu'Allah سبحانه وتعالى il te met à l'épreuve pour te rapprocher de lui. Mais quand tu es touché par quelque chose et que c'est quelque chose, cette épreuve t'es loin d'Allah, sache بأنه بلاء, c'est un châtiment de Dieu. قسم العلماء المصائب إلى خمسة درجات. العلماء ils ont catégorisé toutes les épreuves que peuvent subir un être humain en 5 catégories. La première catégorie. La première catégorie أيها الإخوة مصائب قسم. وش معنى مصائب قسم؟ Ce sont des épreuves d'anéantissement. La preuve في القرآن الكريم. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ نُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ
bima kanu yasna'un. On a révélé à Noé que personne, à part ceux qui ont cru, ne croira de nouveau. Donc, ne t'afflige pas par ce qu'ils faisaient. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre son châtiment sur eux. Le châtiment va descendre sur qui ? Sur ceux al-fajiroun. Man huwa al-fajir ayyuha al-ikhwa ? En arabe, il y a le mot fa-ja-ra. Fa-wa-jim-wa-ra. Wa minhu al-fajr. Salatul fajr. C'est quelque chose qui apparaît d'une manière, comment dire, très vif, d'une manière explosive, d'une manière al-fujur huwa al-khuruju bi-dhawda, c'est-à-dire sortir du droit chemin avec éclat, avec un grand bruissement. Vous voyez, c'est ça al-fujur. Al-fajirun alladhina alhadu ma'a Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'avertissement à Nuh, ne t'afflige plus pour eux. 950 ans, ils n'ont pas répondu à l'appel d'Allah. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre son châtiment sur eux. Il va descendre son châtiment sur eux. Il ne restera plus personne. قَالَ نُوح رَبِّي لَا تَذَرْ مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ. Ne laisse aucun kafir sur terre. C'est ce qu'a dit Nuh alayhi salam. Des fois, quand le châtiment de Dieu il vient, il anéantit tous ceux qui ont déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première catégorie des épreuves que peuvent toucher l'être humain. La seconde catégorie concerne ayyuha al-ikhwa, wallati samaha al-ulama masa'ib rad'in. Ce sont des épreuves qui peuvent nous toucher et qui concernent quoi? C'est un avertissement de Dieu. C'est un avertissement de Dieu. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala yara fi qalbi dhalika al-insan. Yara fi ummatin anna fiha al-khayr, mazal fiha al-khayr. Il y a encore du bien dans cette nation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner quelques châtiments qui va nous laisser en vie, mais qui va nous faire revenir vers lui. Wa hatihi al-masa'ib, Allah subhanahu wa ta'ala dit fi al-Qur'an, dhahara al-fasad fi al-barri wal-bahr bima kasabat aydi an-nas. Tout ce qu'on voit comme corruption sur terre, ça va bouger. Al-insan, al-insu, al-jin. Regardez aujourd'hui quand on nous parle de la couche d'ozone, quand on nous parle de la pollution des océans. Qui a fait tout ça? C'est l'homme. Dhahara al-fasad fi al-barri wal-bahr bima kasabat aydi an-nas. C'est l'homme. Et quand on sème la corruption sur terre, la corruption est apparue sur terre parce que les gens ont fait de leurs propres mains, parce qu'ils ont semé sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala descend un châtiment. Revenez vers Allah. Et quand tu reviens vers Allah, Allah il lève son châtiment. Chacun il réfléchit à ce qu'il est touché, mais on doit réfléchir en tant que communauté, on doit réfléchir en tant que nation, on doit réfléchir en tant que pays. Quand un pays est touché par un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle relation nous avions avec Allah subhanahu wa ta'ala? Savez-vous, ayyuha al-ikhwa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fil islam, laysa hunaka hirman. Il n'y a pas de privation en islam. Il n'y a pas de privation. Il y a une canalisation, oui. Et je vous donne un exemple que donnent les savants. Imaginez le benzine, imaginez l'essence ou le gasoil que vous mettez dans votre voiture. Cette essence, s'il est dans les canaux qu'il faut, dans le canal qu'il faut, dans le moteur qu'il faut, l'explosion de cette essence produit de l'énergie et cette énergie fait rouler la voiture. Mais si vous mettez cette essence à tort et à travers sur la route, sur la voiture, une étincelle, elle brûle la voiture avec les gens qui sont dedans. Al-shahawat, les passions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous, c'est exactement la même chose. Allah a mis en nous cette passion d'aimer l'argent. Il a mis en nous cette passion d'aimer les femmes. Il a mis en nous cette passion de laisser libre cours à sa langue et de parler, de dire n'importe quoi. Al-minhaj, la méthode qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la canalisation de tout ça, c'est quoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ghad al-basar? Regarde, ne regarde pas, ghad al-tarf. Qul lil-mu'minina yaghuddu min absarihim. Al-min li-tab'ir. Wa ma ma'na? فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا أداة ردعين.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est pas parce que je vous ai donné ou je vous ai enlevé que je vous aime ou je vous aime pas. Non. Hal al-mal ni'ma? Non. Hal al-mal niqma? Non. Al-mal, c'est ce que tu as fait avec. Il devient ni'ma. Al-mal devient ni'ma si tu l'utilises dans le canal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de toi et si tu l'utilises fil haqq. Il devient ni'ma si tu l'utilises dans le batil. Là, al-mal, il devient ni'ma. Il devient un châtiment. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a donné, ce qu'il a mis en nous, si on le canalise, ayyuha al-ikhwa, comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut, ça devient un bienfait d'Allah. Si on ne le canalise pas comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut, ça devient un châtiment d'Allah. Et le châtiment d'Allah, si on laisse libre cours à nos passions, eh bien il n'y aura pas de règles sur terre. Il n'y aura pas de règles dans la société. Et ça sera la loi de la jungle. Et là, il y aura un châtiment d'Allah. Donc on a dit, Masa ibul Qasam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, quand la nation est arrivée au summum de sa rébellion contre Allah, Allah il va l'anéantir. Et il y a l'épreuve, la deuxième épreuve, c'est quoi? C'est l'épreuve al-rada, l'avertissement. La troisième épreuve qui peut toucher l'être humain, masa'ibu dafa. Qu'est-ce que ça veut dire, masa'ibu dafa? قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. Regardez, des fois Allah subhanahu wa ta'ala il va nous éprouver par quoi? Par quelques afflictions, par une diminution de notre bonheur, de notre bien, les biens que nous avons, par une diminution des gens qu'on aime qui partent, par une diminution de notre santé. Pourquoi? Pour voir si t'as bon, pour voir est-ce que tu reviens vers lui, pour voir est-ce que tu sais que c'est lui le commencement et c'est lui ta fin, c'est par lui que tout passe. On vous dit parfois Allah subhanahu wa ta'ala il ferme toutes les portes autour de toi pour qu'il laisse une seule porte ouverte, laquelle? La sienne. Il ferme toutes les portes. Et des fois, tu as du mal, même avec les gens proches de toi, avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants, tu as du mal. Pourquoi? Pour qu'il te montre que le seul qui te délaissera jamais, c'est qui? C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, la troisième épreuve, ayyuha al-ikhwa, ulihiya, daf'ul masa'ib. Des fois, tu es touché par quelque chose. Tu es touché par quelque chose, Allah, wa'alam anna ma asabaka min musibatin illa wa hiya dafi'atun lima huwa akbar minha. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala te ramène une petite épreuve, pourquoi? Ou une épreuve pour qu'il repousse quelque chose de plus gros ou de plus grand. La quatrième catégorie, ayyuha al-ikhwa, masa'ibu raf'in. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala te donne des épreuves alors que tu es dans son chemin, alors que tu es pieux, alors que tu fais les choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te donne des épreuves. Pourquoi? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله فيبتليه. Allah subhanahu wa ta'ala écrit une station pour l'être humain au paradis, une station haute au paradis qu'il ne peut atteindre avec tout ce qu'il fait. فيبتليه. Des fois vous voyez quelqu'un, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala يبتليه. Un accident, il perd ses jambes. Allah subhanahu wa ta'ala yabtali. Pourquoi? Parce qu'il lui a écrit un degré au paradis qu'il ne peut atteindre avec tout ce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit quelque chose. Lui a écrit quelque chose au paradis. Wa hadha ismu masa'ib wa raf'in. Allah il t'élève. Allah il t'élève. Fi dunya wa fi l'akhir. La dernière, ayyuha al-ikhwa, lihiya masa'ib wa kashfin. C'est le dévoilement. Masa'ib wa kashfin, le dévoilement, c'est quoi? Qala al-ulama tusibu al-anbiya. Autrement dit, il n'y a personne sur terre qui aime ses adversaires comme les prophètes l'ont fait. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-Rasul al-Karim, yamshi ala qadamayh, 80 km ou 120 km. Il va de la Mecque à Taïf. Il va les appeler pour l'islam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous courir après. Ils vont lancer leurs voyous sur lui. Hatta admat qadamahu sharifatayn. Le sang a coulé de ses pieds, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه جبريل وقال جبريل يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معي ملك الجبال والله يقول لك إن معك ملك الجبال إذا أردت أطبقت عليهم الأخشبين.
Si tu veux, je vais les écraser par deux montagnes. قَالَ لَا لَعَلَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ لَعَلَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Regardez, subhanallah, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, peut-être qu'il va sortir de leur rein. Le prophète il dit, peut-être qu'Allah va sortir de leur rang qui, des gens qui diront la ilaha illallah. Et effectivement, Allah a sorti de leur rang des gens qui disent la ilaha illallah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on le frappait. Il disait, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Aujourd'hui, on nous frappe. Fa nahnu naqul Allahumma ighfir li qawmi fa innahum qawmun la ya'lamun. Aujourd'hui, on veut porter sur l'islam tous les malheurs du monde. Il y a un assassin, un criminel, crime abject, fait par un... Je ne sais pas, détérioré mentalement, je ne sais pas, il était sous l'effet de la drogue. C'est l'islam. C'est radicalisé hier. C'est radicalisé la veille et aujourd'hui il a tué. La ilaha illallah. وكأن الإسلام يأمر الناس بالفحشاء وكأن الإسلام يأمر الناس بالقتل وكأن الإسلام يأمر الناس بالكفر. لا إله إلا كفران النعمة. Quand on parle de kufr, c'est كفران النعمة. Quand quelqu'un te fait du bien et tu lui rends du mal, وكأن الإسلام هذا. أيها الإخوة نحن في ابتلاء عظيم من الله ولا نملك إلا العودة إلى الله سبحانه وتعالى ولا نملك إلا أن نعود إلى الله ونتوب إليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا ويغفر لكم إنه الغفور الرحيم ونحن قادرين إلا منا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام rappelez-vous quand on a parlé سورة الفاتحة أنك حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين فهو سعي إلى الله سبحانه وتعالى quand nous on dit à chaque فاتحة chaque récitation de الفاتحة tu dis إياك نعبد وإياك نستعين tu es en train de marcher vers Allah souvenez-vous vous le dites et on le dit minimum 17 fois par jour إياك نعبد وإياك نستعين 17 fois par jour, on dit « Ya Allah, c'est vers toi que nous cheminons. Ya Kanabud, c'est toi que nous adorons. Et c'est toi à qui on demande. » L'imam, ce cheminement, c'est une connaissance d'Allah. À chaque cheminement, à chaque pas que tu fais, tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. « Fahiyya manazil » Tu es en train de monter vers Allah. Donc « Ya Kanabud wa Ya Kanasta'in » de la veille, c'est pas la même « Ya Kanabud wa Ya Kanasta'in » d'aujourd'hui. C'est pas la même. Pourquoi ? Parce que tu as acquis une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est différente de ce que tu connaissais la veille. La première manzila, awwal manzilatin tabda'u biha wa shin hiya, hiya manzilatul irada. La première station par laquelle on commence en cheminant vers Allah, c'est la station de volonté. C'est la volonté de cette quête spirituelle, c'est la volonté de ce cheminement vers Dieu, de ce cheminement vers Allah. Après cette volonté, ayyuha al-ikhwa, ta'ti at-tawba, anna al-insana yatub wa yaqli'u 'an adh-dhanb. Il se repent à Allah. Il se repent à Allah. Il regrette ce qu'il a fait, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu ayyuha al-ikhwa, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anna Allah afrahu bi tawbati 'abdi. Allah subhanahu wa ta'ala est plus content du repentir de son serviteur que celui qui a perdu sa monture en plein désert. Celui qui a perdu sa monture en plein désert et que Aïqana bil Maut, il a su, il a finalement, il a eu la certitude qu'il va mourir. Alors il s'est assoupi. Et en se réveillant, il voit sa monture devant lui. Min shiddati farahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il était tellement content qu'il a dit quoi ? Il a dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a inversé les choses. Tellement il était content. Allah subhanahu wa ta'ala afrahu bin hadha al-abd. Afrahu bin hadha al-abd bi tawbati abdi. Allah subhanahu wa ta'ala il est content qu'on se repente vers lui, qu'on revienne vers lui. Wa min minna la yukhti. Jalla min la yukhti wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ayyuha al-ikhwa, quand on sait tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Wa la tastawi as-sayyi'atu wa la al-hasana, idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ومن أحسن قولا كي meilleure parole de celui qui a dit من دعا إلى الله qui appelle à Dieu il appelle pas à l'islam il appelle à Dieu pourquoi il appelle à Allah
Parce que des fois, notre conception de l'islam diffère. Et regardez dans quel état nous sommes, nous les musulmans, aujourd'hui. Chacun, il se prétend. Chacun prétend que son parti, c'est lui qui est le parti gagneur. C'est lui qui a gagné la partie chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, maqal chez l'islam. Qami man da'a ila Allah, tu appelles à Dieu. Wa hamila salihan al-qudwa. Tu es un exemple dans la société. Wa hamila salihan wa qala innali min al-muslimin. Et tu es, et tu dis, je suis, mais... Je fais partie des musulmans. La meilleure façon, ayyuha al-ikhwa, de dresser l'image de l'islam dans les circonstances d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est notre comportement. On doit être exemplaire dans cette société, ayyuha al-ikhwa, et dans notre vie. Pourquoi? Parce que vous le veuillez ou non, antum shuhada Allahi fil ard. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une janaza qui passe. Fa azna alayhi al-nas. Les gens ont dit du bien sur cette janaza. قال وجبت ومر الجنازة فاستعاذ الناس قال وجبت قال ما الذي وجب يا رسول الله il voit une janaza qui passe et les gens ont dit que du bien, ils ont fait que des éloges sur celui le défunt, et ils montrent, ils ont dit des choses. C'est devenu obligatoire pour Allah. Qu'est-ce qui est devenu obligatoire? Ah, le premier vous avez dit du bien, il est obligatoire pour Allah de le rentrer au paradis. Et l'autre, ça a été du mal. Ah, il rentrera en enfer. Pourquoi? Antum shuhada Allahi fil ard. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Man shahid Allah lahu an-nas al-mu'minun bis-salah fa huwa salih 'indallah. Antum shuhada Allahi fil ard. Quand vous rappelez aux gens votre présence, votre comportement, rappelle aux gens la présence de Dieu, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que alladhina yuriduna ittaba'u ash-shahawat وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتَ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Et ceux qui suivent leur passion, ils veulent vous dévier du droit chemin. Ce matin, ayyuha al-ikhwa, j'écoutais la radio, un ancien premier ministre qui nous dit, il faut absolument qu'on se bat contre ce voile pour libérer les femmes. Regardez les femmes de l'autre côté de la Méditerranée qui veulent se libérer de ça. Et ici, on veut nous l'imposer. Mais personne ne t'impose rien du tout. D'abord, ayyuha al-ikhwa, c'est anticonstitutionnel ce qu'il dit. Pourquoi? La liberté de conscience, c'est le fait de m'habiller comme je veux. Ça, c'est la première chose. Mais regardez, Shayatin ou Sahara, comme il tourne le discours. Regardez, ça, c'est la première. La seconde, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi tu te mêles de nos femmes? Occupe-toi de la tienne. Katharirak, barakallahu fik. T'occupe pas de nos femmes, occupe-toi de la tienne. Et nos femmes, quand elles sont en quête de spiritualité, quand elles sont liées à Allah, elles veulent faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. De quoi tu te mêles, toi? L'État est garant des libertés individuelles. Ne soyez pas, ayyuha al-ikhwa, ne soyez pas, comment dire, étonnés, ou ne soyez pas, ils divulguent des messages qui sont de faux messages. Il ne faut pas les écouter. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ بَاجْ بِالْقُرْآنِ جِهَادًا كَبِيرًا جَاهِدْهُمْ بِالْقُرْآنِ كيف؟ كيف تُجَاهِدْ بِالْقُرْآنِ أَنْ يَتَمَثَّلَ الْقُرْآنِ. Ce que c'est que tu sois un être parfaitement coranique, qu'on voit qu'un Qur'an yamshi, il a arrêté un tel Qur'an yamshi, fondor il a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi sunnatu sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-ikhwa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم وركعوا.